Au tout début de ma chaîne, j'avais présenté la Smart Doorbell de chez LSC Smart Connect qu'on trouve dans les magasins Action. Et à l'époque, déjà, on avait regretté le manque de carillon. Alors, j'avais fait des recherches et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps sur la chaîne, je vous avais présenté un carillon que j'avais trouvé sur Amazon et qui était compatible. Alors, j'étais plutôt content. C'était un petit carillon qu'on mettait sur le secteur. Et bien sûr, une fois que j'ai trouvé ça, quelques jours après, eh bien, les magasins Action sortent le Smart Chime, je ne sais pas comment on dit, qui est en fait un carillon qui est complètement compatible avec les sonnettes de chez LSC Smart Connect. Alors, dans cette vidéo qui va être très rapide, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va regarder comment le connecter et puis on va parler de ses caractéristiques techniques et de ses points positifs et ses points négatifs. Mais avant de passer au test, eh ben, bienvenue sur Vintech, ici on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix. D'ailleurs, j'ai une playlist complète des objets domotiques Action, je vous mets le lien en haut. Allez, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dans la boîte, à quoi ça ressemble et puis comment on la perd. Voilà la petite boîte. Donc à l'intérieur, nous avons notre petit carillon, une notice où il y a le français, un petit autocollant 3M double face, et puis rien du tout d'autre. On retrouve donc ce carillon, alors qui fait 70,5 mm de hauteur sur 70,5 mm de largeur sur 32,4 mm d'épaisseur. Sur le devant, on va retrouver ici un petit voyant LED, le haut-parleur d'où va sortir la musique, en tout cas, la notification quand quelqu'un va sonner. Sur le côté, rien du tout. Sur l'arrière, le compartiment à pile. Et sur l'autre côté, rien du tout. Dessous, des informations, on reviendra dessus. Et sur le dessus, donc on retrouve ici un bouton qui va permettre de changer de sonnerie. Alors, il y a 7 mélodies différentes et un bouton ici qui va vous permettre de modifier le volume. Alors là, il y a 4 niveaux de volume, soit complètement éteint, soit low, soit medium, soit high, bas, moyen et haut. Et entre les deux boutons, on voit ici un petit bouton à pousser qui va permettre en fait de faire l'appairage. On va y revenir par la suite. Il va falloir que vous mettiez 3 piles AA. Et donc, comme vous voyez à l'arrière, c'est pour ça que je voulais vous montrer les piles avant, ici, vous avez une petite encoche pour pouvoir l'accrocher au mur avec une vis. Et donc, on nous fournit un petit autocollant 3M avec, donc c'est plutôt bien. Mais par contre, je ne vois pas le concept. J'ai pas bien compris le concept. Le seul endroit où on peut le mettre, c'est ici, mais c'est sur le compartiment à piles. Donc, je comprends pas. Si vous le collez comme ça, au moment où vous allez changer les piles, vous allez tirer dessus. Ouais, ok, peut-être le compartiment va s'enlever, mais quand vous allez le remettre, comment ça va? Bon, bref. Bon, vous voyez que je suis pas vraiment convaincu. Alors, une fois que vous avez mis les piles, et ben c'est très simple. Sur le dessus, vous appuyez sur le petit bouton, donc vous appuyez juste un petit coup comme ça. Hop. Une fois que vous avez fait ça, dans les 20 secondes, il faut que vous appuyez sur le bouton de votre sonnette. Et ça y est, c'est appairé. C'est vraiment on ne peut plus simple. Vous pouvez choisir vos différentes mélodies. Les différents niveaux de volume, et vous pouvez même l'éteindre et il y aura juste le petit voyant qui clignotera. Je voulais voir deux ou trois caractéristiques techniques avec vous. Il va communiquer avec la sonnette en 433,92 MHz, hein, c'est du RF, une onde radio si on voit par là. Donc ça fonctionne avec les sonnettes de chez LSC Smart Connect. Mais si vous avez une sonnette connectée autre que cette marque qui communique par cette fréquence-là, je pense que ça doit fonctionner. Et puis après, on nous parle quand même d'une portée de 80 mètres. Alors, pour avoir fait un petit peu de test, je peux vous dire que 80 mètres, ça doit être en pleine, quand il y a vraiment en hyper dégagé, pas un mur entre les deux, pas un arbre, rien du tout. Moi, de ce que j'ai pu voir, on est plutôt dans les 40-50 mètres, si, parce que ça, c'est voué à être dans la maison. Donc, avec un ou deux murs entre les deux, on est à 40-50 mètres.
mais c'est déjà une portée quand même relativement importante. Je voulais aussi qu'on parle du volume sonore du carillon. Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il est relativement fort. Ils nous disent qu'il fait 80 décibels à 1 mètre de distance. Donc vraiment, c'est suffisamment fort pour que vous l'entendiez chez vous. Il n'y a aucun problème avec ça. Si on fait le bilan de ce Smart Chime, eh ben, très honnêtement, c'est vraiment un bon plan pour 5 euros. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent engagé. Et si vous avez la sonnette LSC Smart Connect, alors il y a eu plusieurs versions, mais franchement, eh ben, ça sera vraiment un plus. Ça vous évitera de rater quand quelqu'un sonne chez vous et que vous êtes à l'intérieur de chez vous et que vous n'avez pas votre téléphone sur vous. J'aurais vraiment quand même aimé la possibilité de passer par un système d'alimentation autre que les piles. C'est quelque chose qui me chagrine, ces piles dans ces carillons. Je sais que moi, j'ai eu pas mal de sonnettes avant qui n'étaient pas connectées, mais qui étaient avec un petit carillon comme ça à piles. Et franchement, c'était horrible. Régulièrement, il n'y avait plus de piles, on ne le voyait pas. Parce que là, le problème, c'est que contrairement à tous les objets connectés que vous avez dans votre application LSC Smart Connect ou dans votre application Tuya ou même Smart Life, ce carillon ne communique pas directement avec l'application. Il communique juste avec la sonnette en RF, mais en aucun cas, il est connecté au Wi-Fi et il ne va pas pouvoir vous envoyer des informations. Donc, vous n'aurez pas d'informations comme quoi il n'y a plus de pile. Voilà, c'est pour ça que juste une petite prise, même propriétaire, même en micro USB, qui aurait permis de s'affranchir des piles, ça aurait été quand même un plus. Mais après, est-ce que je ne suis pas trop gourmand pour un truc à 5 balles? Mais voilà, sachez que ça, c'est un point quand même qui me pose problème. Et je suis désolé, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester pendant peut-être un mois ou deux mois pour vous dire au bout de combien de temps il n'y a plus de piles. Voilà, écoutez, c'était un petit test vraiment rapide. J'espère qu'il vous a plu. Ça faisait suite à de nombreux messages que j'ai eus en me demandant est-ce que ça valait le coup ou pas de l'acheter. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests de vos tickets tech. Allez, ciao !